Bonjour à tous, je suis Valentin Hano, stagiaire animation sociale et socioculturelle au Centre de documentation et d'information. Le CDI est dirigé par Madame Trouvé et Madame Lavacry, professeurs documentalistes. Vous pouvez faire de la recherche documentaire, de la lecture, mais aussi du travail personnel. Le CDI comporte 28 000 documents, comme des périodiques, des mangas, des livres, des romans, mais aussi des bandes dessinées et un atelier créatif. Pendant les pauses méridiennes, le CDI organise des clubs périéducatifs comme le club manga, jeux de société, fantasy, chant, danse, couture et jonglerie. Ces clubs ont lieu le lundi, mardi, mercredi et le jeudi. Le CDI est aussi un endroit où vous pouvez emprunter des documents, tels que des livres ou alors les périodiques. Madame Lavacry et Madame Trouvé sont ici pour vous aider dans vos démarches. Ce que j'aime bien au CDI, c'est qu'on a deux facettes différentes. On a d'abord la facette du CDI calme, qui souvent durant les heures de cours ou autre. Et on a les heures du midi où il y a les clubs et là on commence un peu à déconner. On peut faire plusieurs recherches, il y a des livres pour tout ce qu'on veut, donc sur la géographie, comme l'histoire, comme les langues françaises et puis même les sciences. Donc c'est un endroit où on peut tout retrouver pour des recherches, ainsi que pour si on veut se renseigner pour ce qu'on veut faire plus tard. Et puis sinon, bon, on peut aussi apprendre en découvrant des œuvres littéraires. Le CDI est aussi un endroit culturel avec l'organisation du festival culturel du lycée chaque année. Pendant ce festival, qui se déroule pendant le printemps, durant une semaine, a lieu une inauguration avec tous les professeurs enseignants ainsi que les élèves et le personnel administratif du lycée, mais aussi la représentation d'une pièce de théâtre. Et pour conclure cette semaine festive, une soirée de gala organisée à la salle Édith Piaf de Friville-Escarbotin. Et à très bientôt au CDI du lycée du Vimeux.